Le ridicule ne tue pas. La Guinée s'est laissée trop aller. La Guinée s'est laissée trop manipuler. La Guinée s'est laissée trop aller. La Guinée s'est laissée trop manipuler. Oui, notre pays, la Guinée, là, on s'est laissé trop aller. Hein. Des personnes en non grata, des personnes inutiles. Oui, que c'est-à-dire, même on peut prendre grimper les gifler. Rien ne va sortir. C'est eux qui vont se mêler dans l'affaire de Guinée aujourd'hui. Et Rawayen Defala, pour parler, pour dire, venir dire quelque chose ici. Je suis déçu. C'est-à-dire, quand je dis je suis déçu, je suis dépassé. C'est ce que je veux dire. Je suis dépassé. À la limite, dépassé. Oui, à la limite, dépassé. Non, comment une personne peut être mensonge? C'est-à-dire, comment une personne, une femme peut mentir comme ça? Une femme peut, c'est-à-dire, prendre sa vie de mensonge, de méchanceté. Je me demande si Fatou Niello, billahi wallahi, si Fatou Niello, c'est réellement une peule. Je me pose cette question. Si Fatou Niello, c'est une peule. Kafoule, yati yati nana Fatou Niello. Billahi wallahi tallahi. Moi, je suis prêt à mettre ma main sur le Coran. Fatou Niello, ce n'est pas une peule. Allô? Ce n'est pas une Guinéenne. Oui, allô, oui. Ok, il n'y a pas de problème. Je suis en route. Oui. Parce que si Fatou Niello, c'est une peule. Moi, je connais les peules. Tous les Guinéens connaissent les peules. Ils ont cette dignité, cet honneur de préserver. Cet honneur de préserver. Ils ont cette capacité d'assumer. Sors de ton appartement. Descends. On va venir te faire humilier. Tu es là à dire que tu veux faire diversion. Elle rajoute le Sénégalais maudit. Malhonnête de Kaïs Fof. Elle rajoute le gars là sur sa page, la page de son frère, pour tromper la vigilance des gens. Vous pensez que vous pouvez tromper les gens? Le salaud Kaïs Fof sort sur sa page pour dire, partagez le live là dans les groupes, partagez le live là partout. Elle est dans l'appartement, on va venir la faire sortir tout de suite. Elle va être humiliée. Parce que tu n'es pas une digne. Toi, tu n'es pas digne. Oui, j'ai des infos sur elle. J'ai des infos sur elle. Wallahi billahi tallahi. Wallahi billahi tallahi. Si je vous dis ça, je vous avais dit. Récemment, je vous avais dit que son téléphone est rempli. Les vidéos sextape dans son téléphone. Les vidéos des cadres dans son téléphone. Fatou Niello. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Eh Fatou Niello. Eh Fatou Niello. Ta bouche, toute ta bouche là, tous tes cris là, c'est ça? Tu as peur de la justice? Tu as peur d'assumer? Qu'est-ce que les Américains vont foutre avec toi? Qu'est-ce que les Américains vont faire avec toi? Qu'est-ce que les Américains vont faire avec toi? Tu es assise, flanquée même, dans ton appartement avec ta peur dans le ventre. Tu rajoutes des maudits blogueurs qui ne connaissent même pas leurs parents. Parce que le Kaïs Fof, on dit, tantôt il dit qu'il est Guinéen, tantôt il dit qu'il est Sénégalais, tantôt il dit qu'il est Malien. Quelqu'un qui ne connaît même pas son origine, qui se réclame panafricain, partagez ce live-là dans les groupes. Partagez ce live-là dans les groupes. Hein? Quelqu'un qui ne peut même pas se déplacer, un sans-papier, un vaurien. Elle rajoute le gars là sur sa page pour intimider, tromper les gens. Tu penses que tu peux tromper les Guinéens? Tu penses que tu es plus intelligent que les Guinéens? Nous, nous sommes les vrais Guinéens. Partagez ce live dans les groupes. Fatou Niello est démasqué. Fatou Niello est démasqué. C'est-à-dire une méchante. Wallahi billahi. C'est-à-dire, si vous connaissez la méchanceté de cette fille, si vous connaissez l'orgueil, et c'est-à-dire la mauvaise vie de cette fille, on est là, on sort, on crie sur les réseaux sociaux. Tout le monde sort, on accuse des gens. On accuse des gens dans l'affaire de Bailly Haribo. C'est Fatou Niello qui a balancé vidéo-là. Vidéo de Bailly Haribo. Vidéo de Bailly Haribo qui est sortie pour dire que c'est la fille Peul. Manigance et tout ça là, c'est Fatou Niello qui a fait. Vidéo de Bailly qui est sortie. Une danger.
un état, pour mélanger tout un pays. C'est-à-dire, danger pour mélanger tout un pays. Fatounier le fait ça à cause de sa haine, à cause de sa jalousie. La personne qui a publié vidéo de Baïdi Haribo, c'est Fatounier lui. Fatounier lui qui a fait ça. Fatounier lui. La ilaha illallah. Mohammed Rasoulallah sallallahu alayhi wa sallam. Partagez le live partout. Elle met le bâtard là dans son Facebook pour venir dire aux gens qu'elle est aux États-Unis, dans l'ambassade des États-Unis. Tu es dans quelle ambassade des États-Unis? Si tu es dans l'ambassade des États-Unis, qu'est-ce que les Américains vont foutre avec toi? Toi-même sors, tu fais le live. Croupir là-bas. Après tout ce qui est en train de se passer, on va venir te descendre là-bas. Là, là, maintenant, là. Je vais vous faire écouter le gars qu'elle a rajouté sur sa page et le maudit insulte la justice guinéenne. Le salopard, quand il faut faire flanquer en France là-bas, il insulte nous, notre justice de la Guinée, que la justice guinéenne est corrompue. Le maudit, en tout cas, c'est elle-même qui rajoute le gars là. Regardez le nom de la page. Nyeloy, il y a 4 heures. Maître Béa, on m'a dit que vous avez dit que vous avez mandat que vous avez dit que voilà. Regardez le bâtard, le salopard. Hein? On est là pour donner des informations de notre qui insulte la justice guinéenne par la complicité d'une personne qui se réclame guinéenne. Tu n'es pas une guinéenne, Fatouyeloy. Tu n'es pas une guinéenne. Wallahi Bilal, quand on vérifie, tu n'es pas la fille du vieux Yoloy. Tu n'es pas la fille du vieux Ousmane Oumar Nyeloy. Tu n'es pas sa fille. Une peule ne se comporte pas comme ça. Une peule assume. Un peule assume. Elle vous rassure. Hein? Vous qui la soutenez. Hein? Que tout va bien. Hein? Que ces derniers qui sont envoyés pour l'attraper. Hein? N'ont pas pu mettre la main sur elle parce qu'elle est en toute sécurité à hein? L'ambassade des États-Unis. Hein? Donc rassurez-vous tous. Ces personnes qui sont envoyées sont manipulées. Mmh. La justice guinéenne est manipulée. La justice guinéenne est manipulée. Il nous a été rapporté qu'il s'agit des hommes de Bala Samoura qui sont en train de tout faire pour l'arrêter. Uh-huh. Donc que cette information soit partagée partout. Mon colonel Bala Samoura, tu entends ton nom dans la bouche d'un apatride. Et remercie. Dans la bouche d'un apatride. Merci tous les Africains qui la soutiennent. Mm-hmm. Et elle vous dit merci pour tout. Mm-hmm. Elle vous rassure. Mm-hmm. Elle vous donne de ces informations à travers mm-hmm. ma personne. Mm-hmm. Donc, rassurez-vous, ne vous inquiétez pas. Un salopard flanqué en France qui n'a jamais mis pied en Guinée, qui ne connaît même pas où est l'aéroport de Conakry. Une affaire de trop, une injustice de trop, qui a conduit notre frère Ousmane Nyeloy en prison. Sachez que Fatou Nyeloy est une personne très intelligente. Colonel Bala Samoura. Colonel Bala Samoura, on met ton nom dedans. Fatouyene est encore en train de mettre ton nom dedans. Que tu as envoyé tes hommes là-bas. Que tu as envoyé tes hommes là-bas. Que vous êtes corrompus. Fatouyene est flanqué dans l'appartement pour dire aux gens qu'elle est dans l'ambassade des États-Unis. Une fille qui se réclame guinéenne, qui veut qu'il y ait la guerre en Guinée à cause de sa haine. À cause de sa haine. Billahi wallahi, quand on vérifie, Fatouyene, ce n'est pas une Guinéenne. Une Guinéenne ne peut pas être aussi méchante envers son pays comme cette fille est en train de faire. Tu es dans l'ambassade des États-Unis, non? On a enregistré vidéo là. On a enregistré vidéo là. Quand il faut être dans l'ambassade, quand il faut dire tu es dans l'ambassade des États-Unis, non? Reste dans l'ambassade des États-Unis. On va venir te faire descendre de là-bas tout de suite. Tu prends un maudit apatride qui ne connaît même pas son origine pour venir le mettre sur ta page pour insulter nous, notre pays, la Guinée, que la justice guinéenne est corrompue, que notre armée, les gendarmes sont corrompus, hein, qui insulte même le président Mamadi Doumbouya à cause de toi, une fille qui, ramassée dans la poubelle. Tu penses que tu peux faire la guerre dans tout le pays? Qui a la base de publication de vidéos malsaines par la complicité de certains proches de Petit de Baïdi. Fatou Nyeloy a publié la vidéo. La vidéo sextape de Baïdi Haribo. C'est Fatou Nyeloy qui l'a publié.
la vidéo sex tape de Baïdi Haribo. C'est Fatouyelo qui l'a publié. Et puis on est là en train de, c'est-à-dire d'accuser toutes les filles du monde. On dit qu'aux filles, c'est les filles de jeunes, de comment on appelle, les filles peules. Cette fille, elle est plus dangereuse que le diable en personne. Plus dangereuse que le diable en personne. Tu es là à parler, tu cries sur les réseaux, tu n'as pas peur depuis hier. Tu es où? Si tu es fils, fille digne, oui, de comme tu le dis, tu es où? Inamide, sors, si tu es femme, sors. Tous ceux qui parlent là, le salaud qui est flanqué derrière son téléphone là, hein, qui marche dans la rue là, un sans-papier. Il faut aller, viens en Guinée. Viens en Guinée. Dis au salopard de venir en Guinée, de venir traiter ma justice, notre justice, de justice corrompue. Viens en Guinée, un peureux, que j'ai appelé à plusieurs reprises, de débattre. Vous pensez que vous pouvez diviser ce pays? Ce pays a été trop divisé. Ce pays a été trop divisé. Stop! Ça suffit! Ça ne marchera pas à cause de vos haines. Amoulam fait. On vous dit et on vous redit. Amoulam fait. Fatou est assise dans son appartement et on va la faire descendre. Elle va être humiliée. On va sortir parce que tu n'es pas une Guinéenne. Tu es rentrée. Tu es une malédiction pour la Guinée. Comme ton feu père. Oui, ton feu père Alpha Condé. Ton feu père Alpha Condé. Vous êtes une malédiction pour la Guinée. 1.1000 tirés. Voilà, une malédiction. Une fille ramassée dans la poubelle. Qui va mettre, c'est-à-dire une personne qui ne connaît même pas son origine. Parce que le salaud là, tantôt il est guinéen, tantôt il est Fofana, tantôt il est sénégalais, il ne connaît même pas son origine, qui sort pour dire que lui il peut mélanger la Guinée. Tu es malade? Toi tu es qui? Kaïs Fof? Elle est dans l'ambassade des États-Unis, c'est-à-dire il est en train de se détruire. Parce que les réseaux sociaux, ça te détruit. Le mensonge pareil, ça te détruit. Hein? Si Fatouyelo, est-ce que vous avez vu le petit Damaro parler de ça? Vous avez vu le petit Damaro parler de ça? Parce qu'il sait que c'est mensonge. Ansou Damaro est plus proche de Fatouyelo que de Kaïs Fof. Comme Ansou Damaro, le petit, au fond, il sait que la fille, c'est une menteuse, c'est une manipulatrice. Elle pouvait mettre Ansou Damaro sur sa page. Ansou Damaro dit aux gens, ou Ansou Damaro fait un live pour dire que Fatou est dans l'ambassade des États-Unis. Si c'est une réalité, si c'est vrai. Oui, le petit Ansou allait le faire. Mais le petit Ansou, là où il est là, il sait que Fatou est arrêté. Fatou, elle n'a plus d'issue. Sauf s'il sort pour faire semblant d'être. Mais Fatou ne peut pas passer, quitter Damaro ou quitter El Sissi, aller mettre Kaïs Fof sur sa page. Vous pensez pourquoi elle a fait tout ça là? Pourquoi elle a fait tout ça là? Facebook a fait une mise à jour qu'on appelle le Chrome Post. La synergie, le Chrome Post. Comme le petit il est flanqué en France, pensant que le petit va faire le live sur sa page, elle pense que les gens vont sortir à l'international pour la soutenir. Qui de l'international va sortir pour te soutenir toi? Une poubelle. Qui de l'international qui va sortir pour te soutenir? Tu n'as aucune preuve. Tu n'es rien. Tu es poursuivi, traqué par la justice. Tu te permets encore de mettre une personne qui vient insulter la justice du pays que tu prétends réclamer. Paternité. Tu mets un salaud qui vient insulter nous, notre justice. Si la Guinée est mauvaise, c'est bon avec nous. Si la Guinée, c'est-à-dire la justice est corrompue, c'est bon avec nous. Si la Guinée ne va pas aller, c'est bon avec nous. Mais de prendre un apatride, quelqu'un qui n'a même pas de papiers, qui ne connaît même pas son origine, va venir se flanquer, toi sur la page que tu gères, pour traiter notre justice de corrompue, pour traiter notre justice de malsainte, pour traiter nos gendarmes, jusqu'à traiter le haut commandant de gendarmerie de corrompu. Fatou, il a enseigné une grosse manière. Il a enseigné une grosse manière. La Guinée est une grosse manière. La Guinée est une grosse manière. Ce que tu crois, il est une grosse manière.
na goro manera des apatrides assis parce que le RPG est dessus mort. Votre dernière âme, c'est fini. C'est fini. Elle va être humiliée quand elle est dans l'ambassade des États-Unis. On va voir ça. Tout de suite, on va voir ça. Elle est dans l'ambassade des États-Unis, non? Tout de suite, on va voir ça. Tout de suite, on va voir ça. Maître Béavogui, Maître Alsemou, allez-y avec les mandats de perquisition. On va faire sortir la fille là. Tout de suite là. Comme ça, on va la faire sortir de l'ambassade. Pourrait menteuse. Elle n'a même pas honte. Au lieu d'assumer. C'est toi qui étais là, assis sur les réseaux sociaux. Flanqué même sur les réseaux sociaux. Pour dire aux gens que tu n'as pas peur. Pour crier, chanter. Insulter les gens. Manquer de respect aux autorités. Pourquoi tu n'assumes pas? Hein? Un simple mandat d'amener. Tu es là flanqué dans ton appartement. Encore se foutre de notre pays. De notre justice. À travers des personnes apatrides. Toi, tu ne connais rien dans la vie. Tu penses que coucher avec les hommes, c'est être éveillé. Tu penses que coucher avec des hommes, ça c'est être éveillé, connaître la vie. Tu ne connais rien de la vie. Tu penses que se dire là, je suis, regardez, je suis bien en forme, je suis comme ci, je suis comme ça. Sortir avec des hommes, tu penses que ça c'est être éveillé. Tu penses que ça c'est connaître la vie. Tu penses que c'est connaître la vie. Sortir avec des hommes, coucher avec des hommes. Tu ne connais rien de la vie. Rien. La preuve en est que, c'est-à-dire, avec tes propos, ta manière de gérer même ta propre vie, tu ne sais même pas. Ton savoir de vivre, tu ne connais pas. Tu ne le connais pas. Cette fille ne connaît pas son savoir vivre. Toute sa vie, c'est seulement les hommes. Toute sa vie, c'est seulement les hommes. Toute sa vie, c'est les hommes, les hommes, les hommes, les hommes. Oui, toute sa vie. Avec sa haine contre la Guinée, contre une communauté, contre une seule personne. Toi, tu vas venir mettre une personne qui ne connaît même pas son origine, un Kaïfof Marabolé, quelqu'un qui n'a même pas de papiers. Les Français ne vont pas lui donner les papiers. Hein? Quelqu'un qui est, c'est-à-dire, abandonné dans la France, là-bas, en train de monter, descendre, un nœud. Qui est en train de traiter une communauté de sale n'importe quoi tous les jours sur les réseaux sociaux, tu vas venir le mettre sur ta page pour insulter nous, notre justice. Guinéen, ah Fatou, tu vas être humilié. Humilié. Toute personne qui dira de laisser cette fille, vous n'aimez pas la Guinée. C'est cette fille qui a mis les sextapes de Baïdi Haribo. Fatou Yelou, c'est elle qui a fait. La vidéo sextape que tout le monde a vu de Baïdi Haribo, c'est Fatou Nielou qui a fait. C'est elle qui a fait. Voilà. C'est elle qui a fait. Incroyable, mais vrai. Et puis elle est assise, tranquille. J'ai toutes les preuves. Tranquille. Voilà. Des gens avec qui tu as traité ça. Ça, c'est des gens que moi, j'ai géré. Que j'ai géré pendant des années. C'est mes frères. C'est mes soeurs. Voilà. Tu penses que tu connais la vie, non? Tu penses que tu connais ou bien tu es maligne, non? Des gens avec qui tu as géré ça, là. Ça, c'est mes proches à moi. Donc, tu dis que tu n'as pas peur. Tu dis que Issou Saka. Tu dis que Yaworoka. Tu dis que Karinka. Sors! On va venir te faire sortir là-bas tout de suite. Tout de suite. 1.000 tirés. Regarde-moi ça. On est en train de tout faire. Les gens appellent pour dire qu'on a pitié d'elle, on a pitié d'elle, on a pitié d'elle. Elle prend le salopard là, la mettre sous sa page, qui insulte la justice guinéenne. Qui manque de respect, nous, à nos cadres. Hein? Tu penses que c'est coucher avec les hommes? Tu penses que coucher avec les hommes, c'est être réveillé? Hein? Tu ne sais même pas bien t'habiller. Hein? Tu ne sais même pas bien t'habiller, toi. Bien t'habiller, tu ne sais pas le faire. Mais on est là. On est là. On est là. Ça va se passer tout de suite. Tout à l'heure. Voilà. Tu vas être dégagé, sorti de cet appartement. Tu penses que vous pouvez faire diversion? Quoi? Elle est dans l'ambassade des États-Unis, qu'elle va bien, qu'elle se porte bien. Ceux qui sont là-bas, là. Ceux qui sont là-bas, là. Ils vont mettre main sur toi, ils vont quitter là-bas. Ceux qui sont là-bas, là, ils vont mettre main sur toi,
ils vont quitter là-bas. Ça, c'est... Il n'y a rien à faire. Tu es à l'ambassade des États-Unis, car... Ok, reste là-bas. Maintenant, photocopie de Fatou Niello qui est dans l'appartement là. On va mettre main sur ça. Hein? Comme l'original s'est fait double là, comme les sorciers le font, et ils envoient une partie d'eux quelque part, le vrai reste coincé quelque part. Voilà, tu envoies ton vrai à l'ambassade des États-Unis. Non, le faux est dans l'appartement. On va mettre main sur le faux là. Le monde va voir ça tout à l'heure. À tout à l'heure, restez connectés. Une fille mythomane, menteuse, haineuse. Quand elle est guinéenne, si on vérifie, ce n'est pas la fille de l'âge où marié lui. Parce qu'un vrai peul ou une vraie peul assume, n'a pas peur, ne devient pas lâche. Si on vérifie, ce n'est pas la fille du vieux. Billahi wallahi, ce n'est pas la fille du vieux. Poroto,